Putain, j'espère qu'ils ont pas pris les potes là. Non, Oh ils sont putain. juste devant, les potes. Ils sont juste Ah devant, oui. oui. Ils sont Sans sur la la même maison pas. qui est sur l'autre-ouest. Ah la vache, tu l'as pas loupé hein. À tous. Il a tiré sur quoi, la chicane? On met la lumine derrière, on n'a pas d'alliés encore. En plein dedans, il a tiré. Les alliés sont sur les premières maisons sur l'autre-ouest. Les maisons qui doivent être juste en Le commandement à light. 109-63, pavé 7. Ouais, je confirme, mais je voulais juste. Commandement light, confirmer la destruction de la Shilka et procéder T'as beaucoup de monde à avant le l'élimination de tous fort, les ennemis juste qui avant pourraient être l'ennemi dans la uniforme, zone. mais On ça va fait peut-être un s'occuper peu des blindes loin, des pas pour cadavres. toi. Ils sont tous contre le mur du fort en fait. Un cadavre, ça va. Il y avait un mec qui se relevait juste au-dessus. Et de commandement pour Dark, il faudrait la position exacte du blindé spoté plus tôt. Ok, patientez, je vois ça. Thierry, le blindé que t'avais spoté tout à l'heure, il est toujours en place? Le commandement pour Light tenait la position Bah, intéressant. c'était le BTR qui bougeait, là il est revenu en Merde, 250 je recharge. Je me décale sur la gauche, les gars. Il Tire aussi, bouge Thierry, encore merci. le BTR là. Ok, de commandement pour Dark, j'ai le blindé en position. Ouais, j'ai aussi la position du blindé, leader. Oh putain, on prend les deux. Ok, je le garde en visu, vous inquiétez pas, la vie ça arrive. C'est toi l'infirmier, c'est toi qui dois vivre. Ouais, je me suis foutu derrière Roger là, c'est bon. Il y a un tir qui nous est tombé pile dessus là à coup. Ok, ouais. Alors, tout Ah, à l'heure j'ai maître. vu des mecs. Des mecs qui flanquaient par la droite là-bas, mais je les vois plus. L'avion, il repasse. Ouais, c'est pour le BRDM. Ouais, bah toujours plein ouest, hein, juste devant les Oh murs là, putain. tu vois, il y a deux arbres. Oh, je l'ai vu tomber celle-là. Tu vois les deux arbres plein ouest avant les murets, avant les murs de la base? Attends, parce que là, avec le bordel de fumée. Ouais, ok. Débrouille bien avec l'avion. Hein. Franchement. Ouais, bah tu les verras plus là du coup. Ah merde, le mec dans son minaret s'est relevé. Je vais essayer de le shooter. T'en as plus près que ça. Hein. Ouais, il s'est recouché. Tu Ouais. vois, les deux arbres avant le mur? Les deux arbres. En plein ouest. À tous, la 10 va faire un autre passage GBU sur le blindé. Ouais, à peu près. Bah juste au pied à droite, t'as un mec couché, tu vois pas? Le problème, c'est que je dois aussi entre ma vue normale avec la Thierry, viens sur JVN notre position, on a j'ai plein d'ennemis en visuel que Babs n'arrive pas à voir, tu devrais pouvoir les fumer toi. Oh putain. Putain. Non mais je les vois, j'en entends en fait, je les engage aussi. Ok, bah vas-y, alors fume-les tous. Ouais, il y a plein de mecs qui se baladent, tu vois, entre les deux arbres et le mur, il y a plein de mecs qui se baladent là-bas. Ouais. Ah, je les vois, ouais. Et là, c'est pas évident. J'en ai vu un courir, défiler en gauche. Il y a un véhicule qui bouge. Une durée. Il y a plusieurs. C'est les grades là, en charge. Le commandement à like. Ah, je vois bouger, ouais. Hey, te j'écoute. Putain, mes munitions pèsent à Ok, crever. je suis très play. Ah, sois économe alors, on va essayer de prendre le relais, Gald. J'ai plus grand chose. On va attendre Le un peu, light voir si on ne peut pas avancer. toujours sur la même position. 109, 63, pas une 7. Confirmez que vous n'avez aucun blessé, light. Alors, qu'est-ce qui reste? En fait, j'ai mis un chargeur dans la gueule pratiquement au mec. Il y a des contacts derrière les maisons en 280. Alors moi, je vois pas parce que je vois pas ma boussole avec les GN. 280, il y a des arbres là derrière les maisons. 280.
Il y a des mecs derrière les arbres là-bas. La petite baraque là, qui est sur le flanc de colline. Ouais, il y a des arbres derrière. Ouais. Et bah, il y a des mecs là-dedans, donc faudra garder un œil là-dessus. Je m'en charge, mais je vous le dis. De Dark à leader. Je vois rien là, j'ai pas un viseur assez puissant. Parlez Dark. J'ai vu un groupe d'ennemis nous contourner par le nord, ils sont actuellement en position approximative 110-65, on n'a plus de visu sur eux. Ah, bien pris, Dark, retirez-vous de la zone d'action, essayez de prendre un vecteur d'approche ouest pour être en arrière avec assaut. Je vais faire un passage avec la 10 qui va défourailler un peu les personnes qui les a de... qui restent. La ligne d'arbre après la petite baraque en flanc de colline. Ouais, je vois pas, je vois rien du tout. De Dark à leader, je corrige les coordonnées précédentes. Les coordonnées où j'ai vu des ennemis, c'est 107-65, je me suis complètement planté. Yes, ils ont niqué le radar. Très bien pris, Dark. On va plus tourner. Stand by, ne bougez pas. Il y a des mecs sur le muret à l'ouest derrière les. Avez-vous des couvertures sur votre position. Derrière les potes. Ouais, sur les. Il y a deux murets, deux séries de murets. Sur la deuxième série de murets, il y a des mecs qui sont déplacés de droite à gauche, ils sont derrière les arbres. Ah, on les voit passer là. Ah ouais, je le vois, ouais. Tiens, je recharge. De Dark, on a découvert, ouais. Bien pris, standby. Ah, ok. Oh, bah il fait tout noir. Il y a encore un mec juste devant les Joseph. Nickel. Oui. Du bon boulot. Il y a un mec. Tu vois l'enceinte du minaret? Ouais. Il y en a une qui part dans notre champ de vision. Okay, tous, il y a un mec sur la gauche dans le noir. Sur un vecteur, ouais, pile dans la bonne direction. Je crois que tu l'as eu. Je crois que je l'ai eu. J'ai perdu la main, Babs. Ok, bon bah c'est bon, ça c'est l'air de se calmer. Avion repasse. Chaque fois qu'il passe, il y a des petits lasers qui le visent, genre oh là, il lâche des flares. Un screen, il se débrouille, il se démerde bien avec l'avion, hein, sérieux. Par contre, ça m'a complètement niqué la luminosité de ma JVL pendant tout. T'as toujours Thierry? Ouais. T'es en train de mater un petit boulard? Non, là je suis en train de bastiquer sur tous les frais que je fais. Ah, il est encore appuyé sur la touche. Tu vas attacher les lunettes. Ah, il y a un grade qui bouge. Le commandement pour Light, quelle est votre position? Le mec dans ton minaret il va se relever là, je vois son. De Light toujours la même, 109, 63, attends. Je le retrouve. Ok, bien. Dommage que t'es pas du plus gros calibre. Je fais défourailler la 10, je veux éviter absolument qu'il vous touche. Ouais, parle pas, j'ai des balles. Je vais faire un passage Rocket Maverick au nord-nord-ouest. Oh putain. Light reçu, on reste en position. C'était quoi, c'était sur. Je crois que ton mec dans le minaret il va pas faire long. Ah ouais, d'accord, le. Ah si, il est toujours vivant. Tu voulais dire le. Ouais, dans ton... la guérite, ouais, excuse-moi. Ouais, parce que désolé. L'arrêt, j'étais à what. Ah, oui. Le feu de l'action, tout ça. Il y a Thierry qui tire un coup. Un autre grade. Ah, essaye de lui crever les pneus, ce serait bien. On va l'immobiliser. Ah, putain. Plus bas. Le commandement à Light, neutralisez-moi ce véhicule maintenant. Pas là. Oh putain, oh. Faites gaffe. Putain, mais j'y vais. Oh putain, la trouille que j'ai eu. La trouille que j'ai eu. Putain, comme il passe bas. Oh, c'est la fête de la particule. Demande à Light, est-ce que les tirs étaient pas trop près de votre position? En plus, j'ai négatif, quand il a adressé. Et un pré-Light. Pas simple. Pas cool, tu filmes, j'espère. Ouais, je filme à 2 FPS. Putain, hein. Ça va être trop bon. T'as le blast score.
Non, il bug avec la mise à jour, dernière mise à jour Varma. Ah. Ben oui. Ton mec, il est toujours dans son... C'est magnifique. Il est toujours dans sa guérite, hein, le mec. Sérieux? Ouais, ouais, il est allongé. Laisse tomber pour l'instant. Tire dessus, ouais, je demande qu'il se relève. Je tire avec toi. Non, laissez-le. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de munitions, Bob, si je préfère qu'il les économise. Ah oui. Ouais, mais je vais peut-être passer la cible à Thierry. De commandement Alec. Bah, dis-lui déjà, Thierry. Ouais, vas-y, fais-lui passer. Et il nous entend, je crois. Ah, il s'est relevé. Là, Thierry. 300, vous avez un blindé là. Est-ce que vous pouvez neutraliser les pièces? T'as le mec. Bah, attends, je vais être le laser. Tiens. Depuis tout à l'heure, je lui tire dessus, mais il se relève à chaque fois. Ah, il y a un véhicule qui arrive sur un flanc de colline. Flanc de colline sur la colline qui est en 265. De Dark à leader. Ouais, je confirme, c'est un BTR, je crois. De Dark à leader, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a un blindé qui arrive sur le flanc de colline 265. Il est au niveau. Confirmé BTR 70 qui arrive. Au niveau du camp. Reçu Dark. Il fonce vers le minaret. Aïe pour commandement. Faut qu'il arrive. Leader pour Dark, confirmez-moi la position du blindé ennemi. Hop là, je l'ai fait suicider le mec. Bien joué. De Dark qui s'est arrêté juste en plein milieu du camp ennemi et sur l'ancienne position de la Shilka. Très bien pris, Dark va être éliminé bientôt. J'allais le laser pour que ce soit plus simple pour lui, mais je vois qu'il y a un gros laser okay, dessus, un gros pointeur rouge. Dernier passage, après il retournera à la j'imagine que ça va faire boom dans 30 secondes. Blendé qui est à l'ancienne position de la Shilka. Les batteries, ça dure longtemps sur le Vector. Je crois qu'elles sont infinies, hein, tu sais. Ah, tant mieux, parce que c'était bien chiant ça dans Arma 2. Ça servait pas à grand chose au final, ça tenait plus qu'une mission une batterie donc. Mais... J'ai eu des coups où il y a les batteries qui, tu sais, qui tombaient nazes à cause d'un bug ou genre comme cadre comme ça. Le commandement à Light Dark, une fois le dernier partage à effectué, vous aurez ordre donc, tu de rentrer trois paires de dans le camp ennemi et de détruire tout le personnel restant. A priori, à part si vous avez d'autres informations prioritaires, plus aucun blindé sur un Vector aussi toi. Ouais. Night, bien pris. De Dark à leader, on a un blindé lourd qui arrive pareil par le sud. Deux blindés lourds sur la route au sud du camp ennemi. Un à l'arrêt, un en mouvement vers Light. Bien vu, Dark. C'est ce que je suis en train de laser là? Ah ouais, ok, c'est bon, il a repéré. Putain, ouais, t'es déjà sur ça. Un blindé lourd au sud-ouest de la position radar sur la route. Bien pris, patientez, j'en ai fait intervenir radar. Il y a Asso qui se décale, on dirait. Oh putain, ouais, oh putain, il y en a un juste là quoi. Ah ouais. Ils sont en terrasse planquée quoi, et nous aussi d'ailleurs. C'est qu'ils bougent vite, c'est con hein. Je vais tout doucement me glisser derrière les rochers, moi. Ouais. Si tire au canon, ça changera que dalle, mais... Ouais, on va pas te tirer dessus au canon. Et il y en a un autre qui est au sud de la... Ouais, je l'ai vu. Ah non, il bouge. Ouais, c'est un BMP3, l'autre. Hein. Non, non, non. C'est aussi le même. Oh, c'est le deuxième blindé arrive sur la position du premier, celui qui est près de Light. Le light pour Dark. Il y a partout chez moi, c'est le 14 ouais. Janvier.
Pourrais-tu me désigner avec ton laser le deuxième blindé? Désigne avec le laser, Veldrid, le blindé. Il est sur la route, là, en 260. 260, sur la gauche, Veld. A tout stand-by, les blindés ne sont pas traités. 260, tu vas le voir. 200, il va arriver sur le deux, là, derrière les bâtiments. Tu pointes au laser. Tu le vois? Ouais, voilà. Oh, il s'est pris un coup de M136, mais en pleine frontale. Parce que moi, mon laser, j'arrive pas à le faire marcher, bordel. T'as pas de laser, toi? Nous avons traité un premier blindé sud. Là, j'en ai un, mais j'ai une lampe aussi. Ok, ils l'ont traité, c'est très bien. Sur le deuxième T90. Ouais. Vas-y, vas-y, planque-toi, Veld. Blindé détruit. Où est le deuxième tank qu'il me faudrait le coche d'illumine? Non, non, c'est l'équipe assaut. Remets-toi à couvert, Veld. On a un deuxième blindé toujours. D'ailleurs, le blindé il est en pleine ouest, hein, Veld, si tu l'as pas vu. Mais celui-là, il est pas. Tu n'as pas besoin que tu le pointes. Celui-là. Essaye CTRL L pour changer. Ben, j'essaye, mais ça veut pas. Attends, ça tombe, j'ai pas de laser. Hein. Si, j'ai un laser. Je vais retirer la lampe, ce sera plus simple. Putain! Ça fait quand même une lampe? Ouais. Depuis tout à l'heure. Contrôle Dark, L ou j'écoute. Alt L, je sais plus. Dark, informez-moi de la position du deuxième blindé que j'ai perdu de vue. Contrôle L, tu éteins. Il y a des mecs qui courent là à côté des. Deuxième blindé en position approximative 106-64, pavé 3. C'est encore le char. Ouais, ils ont bien, je peux les mettre. Il y a des mecs devant le blindé, mais on les engage pas. On évite d'engager les mecs qui sont devant le blindé parce que sinon c'est notre père, il va nous fumer. De commandement pour Light, est-ce que vous pouvez voir le deuxième blindé? Il est où l'autre blindé? Moi je me disais putain mon laser il marche pas, mais au fait il me donnait directement dans le rocher qui était devant Mike. Light, j'écoute. Light, est-ce que vous avez visu sur le deuxième blindé? Je ne le voyais pas. Négatif, nous avons pas visuel sur le deuxième blindé, nous avons plus de daté. Je crois que l'avion arrive. J'ai pris Light, reste un standby, je vais voir avec Dark. Je vais le fumer. Leader de Dark, on a de l'infanterie qui arrive vers Light depuis la position du blindé. Il y a de l'infanterie entre le blindé et Light. Il se barre là, le blindé. De Dark pour leader, le blindé se retire vers l'ouest. Bien pris, Dark. Le point. À coup. C'est barré. Hein. À coup. À coup, il y a. Engage l'infanterie a... sur la droite du Mirador, si t'as. Ah ouais, putain. Ouais. Tout ce que tu vois en infanterie, t'engages maintenant. Pareil, Veld. Arrêtez, tu en charges. Ouais. Si t'as de l'infanterie à la droite du Mirador, là, t'engages. Du minaret, minaret, excuse-moi, ouais. Ah putain, je vais y réussir. Heureusement que t'es là pour faire traducteur. Je vois pas. Oh, rien là. C'est pas grave. Dans les buissons et du bazar là. Où tu vois mes traçantes. Je suis con en fait, c'est pas un laser que j'ai, c'est vraiment une lampe. C'est le truc qui t'a perturbé tout le jeu. Ouais. Toute la partie. Ok, on cesse le feu. Il revient le char, on cesse le feu. Par contre, je dis pas de bêtises, je suis sur ma dernière bande. Y'a personne qui en a dans son sac à dos par hasard? Le point, le char. Attends, je regarde ça. C'est arrêté. Négatif. Okay, ouais, ils l'ont repéré le char, donc là ça devrait aller. C'est bon. Ouh. Oh, ça tombait juste à côté d'assaut ça. Oh putain! Putain? Oh putain! Light pour commandement. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ils ont fumé un assaut. Affirmatif. Ah, c'est le char qui. Prépare-toi à bouger. Non, 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 c'est la 10. Oh. Prépare-toi à bouger avec moi. Char, là. De Dark pour leader, on a une partie d'assaut qui est tombée. Oh là, oh là, oh là. De Light pour leader, nous avons été frappés par des explosions. Nous sommes grièvement endommagés. Toujours en état. Il est encore là le char. Il repart. Babs, Thierry, vous nous couvrez, on va avancer vers la position d'assaut pour voir si on peut les secourir.
Ok. On avance, Veld. Tu viens avec moi, on avance sur les murets. Okay, là... si je te dis qu'il n'y a pas besoin, en fait. Ils ont deux hommes à terre et deux hommes vivants. De Dark à Light. Ah, Veld, on va quand même aller voir. Ouais, ils ont peut-être perdu leur commandant, là. Il sait pas très bon. Le commandant pour Light, bien reçu. Est-ce que vous pouvez soigner vos blessés les plus lourds? Merde. On pose Veld. Il y a des coms qui sautent. Ah, j'y crois pas. Light, coms. Nous avons deux pertes et le char revient du campement droit vers vous. Mais il est lâché par le commandement. Remonte, remonte. Ok, on remonte. Il y a des coms qui doivent pas passer. Je pensais que le leader était tombé. Le commandant pour Light, avez-vous à déplorer des pertes? Affirmatif, Light, on a perdu deux personnes. Non, ça va maintenant. Et bien pris, de commandement pour Dark, avez-vous eu des pertes? Dark, on n'a pas de pertes, on est toujours sur notre perchoir, on a hésité à aller porter secours à Light. Ok, bien pris, Dark. Light, vous avez pour autorisation de vous rapatrier sur une position plus sécure. Je vais faire un dernier passage avec la 10 et essayer d'être... Le char est revenu au même endroit. Ouais. Ah, il est là. Alors, la 10 va refaire un passage. Désolé de la mauvaise approche de la 10. Là, tu as bien pris, on revient sur votre position. Weld. Éteignez vos lasers, éteins ton laser, Weld. Ouais. Ah, c'est toi qui le pointe. Oh putain, attends. Ok. C'est un ennemi, ça? Non, c'est un saut qui vient vers nous. Ouais. Attends, bas, il y a ça, qui vient vers nous. Ça, non, attends. Fuck. Attends. Ça là. Attends, je te le dis. Vas-y, c'est ennemi. Feu. Ouais, c'est pas nous, ça. Ennemi. Feu. Ennemi. Light, attention, ennemi sur votre flanc gauche. Et c'est bon, il est descendu. L'avion arrive. C'est traité, Light. Il s'est pris un Hellfire, là, le tank. Ça a pas fait impact, hein, le missile. Non, ça a rien fait du tout. Il est toujours là, le tank. Ah, mais bon, son équipage est toujours actif. Oh non, il est actif, putain. C'est un triple blindage, ce tank, ou quoi? Bah, T90, c'est costaud, hein. Bah, il a une blindage réactif avec vous. Il est là. Ouais. Il y a des mecs qui courent au niveau du char encore. Il y a plein de mecs qui courent partout là, en fait, dans la zone. On va attendre que le char se fasse soigner. Light, parlez. Le char. De Light, nous nous sommes repliés et recollés avec Dark. Vous avez beaucoup de pertes dans Light? Deux. J'ai pris, pas simple. Y a, par le plus grand des hasards, y'en avait pas un qui avait des bandes de 249? Ah, je sais pas. Vous avez, why not, t'as trouvé des bandes ou pas sur le... Non, j'ai rien vu. Et Veld maintient le nord-ouest, on sait. Vous aviez pas de... Non, d'accord. Vous aviez pas de mitrailleur, je pense. Non. Veld maintient le nord-ouest. Par contre, on avait l'autre des mineurs et... Ok. Et autre raté. Ouais, ils avaient perdu Froggy et... Mystery. Mystery, quoi. Ah, putain, de bons soldats. Bah, ils sont tous bons, les soldats, ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais devoir encore faire un montage paint à l'honneur de Mystery. Arrête, c'est moi qui vais culpabiliser, j'aurais dû me replier plus tôt. Ah, bah c'est de ta faute, Renac, alors. Ouais, c'est de ma faute. Bah écoute, ok à tous, j'ai plus communication avec Carver. Prep, Dark, Light. De Dark, on est regroupé en 111-64 avec Light. RAS pour l'instant, toujours le blindé au milieu de la du bordel. Bien pris, on va essayer de traiter le blindé au plus vite avec Harder dès qu'il pourra revenir sur Rose. Pour info, Dark, vous avez perdu aucun personnel, et Light, il faudrait m'informer quel est le personnel qui sont décédés. À coup, Light, le blindé plus au même endroit. L'effectif Froggy et Mystery décédés. Non, on n'a pas de visu, mais on sait à peu près qui s'est planqué le long de la colline, en plein ouest. Ouais. Okay. Pour information, Light, c'est le dernier gunrun qui a déploré les pertes. Par là, à peu près. Quoi? Dans ce coin, là.
Ok, bah, je vais jeter Light, un tu peux répéter. Peut-être par là. Commandement pour Light, est-ce que c'est le dernier gun run de la 10 qui a déploré les pertes alliées? Il nous reste quoi comme objectif? Affirmatif. Ok, bien pris, j'en informe Ardeur, ouais, prochain vecteur d'approche. Il aura plus. Mais le radar est détruit si la 10 a. Oh putain, il y a un mec juste, juste sur les cadavres de Mystery. Et ensuite, avec. Veld, essaye de les fumer en silencieux. On investira le camp ennemi. Et il est derrière la maison. Ok, on prend la maison sur l'ouest, Veld. Le char revient, le char est revenu, il est au milieu du champ. Ah ouais, on va tirer au silencieux. Au silencieux seulement. Il se soigne. Il est mort. C'est bon. C'est bon. Ouais, tu me diras, on peut le faire autant au silencieux qu'on veut, on a des traçantes comme des cons. J'ai un viseur de merde, moi je vois rien moi. Le char est lasé. D'ailleurs, est-ce que c'est des. Putain, c'est même pas des chargeurs silencieux. Pff, ouais, bah en plus. Bah, tu vas pouvoir râler sur. C'est Sparfel qui fait la mission. Hein. Non, je vais pas râler, je vais juste lui dire, à mon avis, il a pas fait attention. Là, je me dis, décider Stanag silencieux avec des traçantes, c'est un peu con. Les objectifs qui nous restent à faire, on doit quoi? Démolir la logistique. Pour information, on a déjà traité les officiers, il me semble. Vous rejoignez Dark Light et vous faites une grosse aérienne. Ah ouais, les cartes. Ouais, ouais, mais pour ça, il faut rentrer dans je le demanderai truc, juste donc, de passer sous les ordres de Dranak. Il va falloir qu'on attende que le char soit pété. Tiens, reçu. Tu dis? Il est parti où, la 10? Bonne question. Peut-être reload. Il a tous confirmé qu'il vous reste encore du matériel médical ainsi qu'un médecin. Il y a le commandant qui est déjà en train de laser le. Ouais, confirmé. Il faut que tu passes canal. Beaucoup de matériel médical. Canal 2. Tout un médic rempli de coton. Bien pris, il vous reste plus d'épinéphrine ou de morphine. T'as de l'épinéphrine et morphine, Vald? Comment? Comment? Ouais, confirmé, il a encore tout son matos. Ok, bien pris, standby pour le prochain passage de la 10. Ah ouais, il a pas dû occuper. Par contre, à coup, il y a. Ah non, j'ai tout mon matos, moi. Et pour information, avez-vous repéré d'autres blindés que c'est celui ça qui est au nord du qui camp? Il demandait de passer au canal 2, c'est ça? Canal 2? Il me semble que apparemment tu switches canal 2, mais je sais pas si nous on doit switcher. Non, 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 restez canal, restez qu'à votre canal, okay. Restez à votre canal. Ou... De Dark, enfin, RAS à part le blindé en question. Bien pris, mais pour information, Dark n'existe plus dissous, donc l'indicatif light sera uniquement opérationnel ainsi que Dranak au commandant. Toujours au milieu du champ, le blindé qui est reçu. Il est là. À coup. Je t'écoute. Vous avez spoté encore d'autres blindés ou à part celui-là? Non, non, avec celui-là. D'accord. Et de light, je confirme, on a spoté aucun autre blindé. Il n'y a que le blindé lourd qui est au niveau de la pompe. Ah, les deux autres ont été traités, hein. Les deux BTR qu'on a vus, ils étaient traités. Ouais. Ako, il faudra que tu passes sur le canal 2 pour que je communique avec toi. C'est fait. Du coup sur canal. Ah. C'est comme tu veux, soit tu as deux canaux, le canal 2 pour avec moi et canal 3 avec ton équipe. Je sais pas, on passe tous sur tes ordres, alors on fusionne tous sur le même canal, autant faire ça. Hein. Ouais, bah comme tu veux. Bah sinon tout le monde canal 2 au pire. Bah ouais. Ok, bah tout le monde canal 2. Tout le monde canal 2. Thierry t'as pris, on passe canal 2. Aïe aïe. Ok, Wadrid sur canal 2. Je t'ai pas vu sur le canal 2, Val. Babs, canal 2. Ouais. Audrey, le canal 2. Il t'a bien pris. Parfait, t'as une fusée éclairante. Thierry? Ouais. Ah non, attends. Thierry, t'as bien pris? Il y a de l'infanterie encore au milieu du camp. À coup? Oui, j'ai bien pris à coup. Ok. À coup? Ouais. Ton grenadier, il a une. J'ai pas de grenadier. Vous avez pas de fusée infrarouge? Non. Non. Merde. On a tireur d'élite, médecin, mitrailleur, léger. On a besoin de quoi en fait? De light, j'ai mis mon laser en l'air. Je sais pas, Thierry. On a besoin de quoi? Pour les viser, c'est ça? Fusée infrarouge. Par contre, il y avait encore de l'infanterie sur le camp principal, là où il y avait lâché le cage, j'ai vu un mec traverser de gauche à droite.
vers les petits hangars dans lesquels il y a les camions de logistique. Qu'on doit péter d'ailleurs. Ok, pour Light, à toute l'équipe, on reste en position en attendant de nouveaux ordres du leader. Light, bien pris. Et pour Light, on m'informe qu'il y a un ennemi qui est encore actif, proche du carcasse du lance-missile. Pour rien. Ah ouais, alors, ok. Aku, vous... Ah putain, j'ai oublié de mettre mes bouchons. Putain. Derrière les deux... Ouais, voilà, il est fumé. Les dames, ouais. Mais 4 dames, Aku, vous êtes un effectif de 4, c'est ça? Mm-hmm. D'accord. Tout au fond du camp, je te le lase. Tiens. Ouais, tout au fond, ouais. Comme ouh, il dit. C'est loin. Vas-y, on va essayer. Non, non, ça va pas être faisable. C'est trop loin pour ma optique nocturne. Il se bouge, il court. Hein. Ouais, non. Désolé. Il était visible sans optique nocturne au début. Ouais, je le vois. J'ai pas d'optique nocturne. Il reste aussi un tango dans la base de la Shilka. Dans les hangars. Ouais, je l'ai vu. Ah mais je préviens. J'engage hein. Darnac. Vas-y, tire. T'as un silencieux, vas-y. Oh, putain de ta mère. Oh, je bouge. Le bordel qu'on vient de foutre. Qui est le sniper? C'est Thierry le sniper. Enfin, c'est tireur de précision, c'est Thierry. D'accord. Et tu m'as entendu J'ai entendu. Il y avait un tango dans le hangar près du Lachik. Moi? Oui, j'ai entendu. Non, je parle au commandement. Pourquoi on a perdu Fugball? On a perdu quoi? Non, on n'a pas perdu Fugball. En fait, nous, on s'est rallié à Light, donc je prévenais Dranak, c'est ça? Ouais. Ouais. J'en ai un à 270, là, je le vois pas, mais j'ai juste vu sa tête passer. Dans le camp. Alors, essayer de choper. Gauche, Ouais, du chef de groupe, quoi. Ah ouais. Finis ton laser. Ah ouais, là-bas. Gauche du mien, arrêt. Ah, là-bas. Ouais. Tu l'as vu là, le mec? Le light pour commandement. Oh, y'a plus rien là. Juste derrière le bâtiment où y'a mon laser. Ah oui, donc assez près. Ouais. Lumière qui bouge là. Ouais, c'est le chef qui fait jouer avec son laser. Non mais là regarde, là où je pointe. Ouais, c'est le chef qui joue avec son laser. C'est le chef qui joue avec son laser. Ouais. C'est pas un laser comme nous, c'est un pointeur. T'as pas de traînée derrière en fait. Le char il est encore actif parce que je le vois plus bouger. Hein. Ah écoute... Il y a peut-être son équipage qui a cuit avec le Hellfire qui s'est pris. Non, il a fait un demi-tour entre temps. Hein. Ouais, mais il a bougé encore. Plus rien. Mais il est inactif. Je vais mettre une balle dessus pour voir. Non. Non, ça va. Et le Darwin Award 2015 est tiré. Ouais, si tu veux. Ah, j'ai dit ouais. Hein. Je crois qu'il parlait au commandement. C'est vrai. J'ai entendu ma voisine dire ouais. Je tire. Ah bah vas-y, je te rejoins. Un bâtiment avec un drapeau. En coordonnées 108 63 au sud du radar, proche de la route. On pense qu'il pourrait y avoir le soi-disant information sur la carte des documents. Je retrouve plus le mec qui se balade encore. Light bien pris, je reste en stand-by. Foncer sur le drapeau là. Ah, j'en ai vu un. Et pour info, on a un dernier Gugus qui reste au nord du char. Il ne répond pas. Ouais, mais il est proche du char quoi. Ah, il y a un mec aussi qui s'approche de la sortie de la base là.
Tu vois ton mirador de tout à l'heure? Ben, il y a un bâtiment devant, ouais. Et ben, il est sur la gauche, là, il vient de passer. Pour moi, c'est... Il est à l'avant du char, à l'avant du char, il y a un bâtiment. À l'avant du char, il y a un bâtiment. Ouais. Non, mais je le vois, hein. Il est à gauche, ah d'accord. Mais c'est que je peux pas engager là, parce que mon... D'accord. Le viseur nocturne est super bruité, et dans le noir, on voit rien, en fait. Moi, j'ai presque plus de code dans ma gueule. Bah, si tu le vois. Je le vois, en fait, en vision générale, prix, nous avons le et pas avec le viseur. Visuel, malheureusement, nous n'avons pas engagé... Il repart. Là, je peux essayer. Vas-y, essaye. Hein. Ah, tu l'as fait fuir. Ouais. Oh mon Salut. Dieu. Il partit se cacher. Il rentre en plus, le bâtard. Non, non, il contourne à gauche. C'est pas un bâtiment rentable. Hein. Il est sur le coin gauche du bâtiment, là. Il a bougé. Bâtard. On dirait une fourmi qui essaie de brûler avec une loupe. Et après ça, il va nous retomber dans le cul, comme d'hab. Merci Thierry. Elle est sur l'ouverture à gauche, là. Il est sur l'ouverture à gauche, après les arbres. Il rentre pas dans les... Il rentre dans la base ou pas, là? Il rentre, ouais. De live pour commandement, bien affirmatif. Il va arriver peut-être dans la lumière s'il continue comme ça. Pour les véhicules. Ouais, je le vois. Court, le petit bâtard. On est bloqué à cause d'un char de merde. Faut qu'on aille le buter, faut qu'on fasse quelque chose. Et l'avion, il est où? Et il est pas, il y a plus d'avion. Hein. Il y a plus d'avion. Hein. Sérieux, il s'est fait abattre? Bah, plus de nouvelles, donc faut croire. Wow. Forêt, on peut pas le fumer à la douche, là? C'est trop solide. Bah, alors, non, c'est beaucoup trop solide. Par contre, j'ai vu plusieurs mecs avec des tubes un peu partout. On peut en récupérer et taper avec, hein. Ouais, c'est pas con. Parce que là, on peut rien faire. C'est pas avec notre force mentale qu'on arrivera à le tuer, je pense. Hein. Faut qu'on progresse doucement, quoi. Enfin, pas publiquement, hein. J'ai pas le droit de le montrer. Light a bien pris. Je demande à l'équipe de Dark qui était dans leur ancienne position. Faut le contourner par derrière et lui tirer dans le cul à ce moment-là. Akou ? Ouais. Peux-tu m'indiquer ton ancienne position ? 150 mètres au sud-ouest sur le muret. 159. 150 mètres au sud-ouest. Ah bah c'est même au sud. Ouest. 150 mètres au sud. Sur le muret. Ok. Je peux te le marquer si tu veux sur un point à la map. Non, je vois très bien. Je vois très bien où c'était. C'est quoi ces losers qui veulent marquer des points là? Babs, allons. T'as pas été élevé comme ça? Écoute, hein. De live pour commandement, nous déplaçons sur... Point où on en est. L'ancienne position. Tu le vois pas, Thierry, mec, là, il est en pleine lumière. Dark. Ah oh, putain, j'ai changé de viseur. Chier. Bah, c'est bon, il y a plus de lumière. 62. Il passe derrière l'arbre. Derrière l'arbre. Ah oui, je le vois. Il va aller voler un UAZ. Attention à toute l'équipe. L'équipe de Dark, vous allez vous déplacer en 110. 63. Au niveau des petits bâtiments qui se trouvent à l'est de la ville. 110-63. On retourne à notre ancienne position. Ouais, j'abats juste le mec. Hein. Dépêche, ouais. T'as deux tirs. Non mais avec deux tirs, je peux même pas le bouger. Allez, c'est bon, on bouge. Allez, go. Ako, tu prends des positions défensives au niveau des bâtiments, on sera juste derrière vous. Ça marche. Pour l'objectif principal, ça sera le bâtiment qui sera le grand bâtiment avec le drapeau blanc qui sera de l'autre côté au niveau du carrefour. Ouais, je vois lequel, on y va, go. Allez, on va sur les bâtiments qui sont sur le sud-ouest là. Là, vous allez faire du CQB. Hein. Ouais, à la rigueur, reste avec eux. C'est vrai qu'on n'est pas taillé pour de l'assaut à la base. Quoique, si ça va. Au niveau du viseur pour CQV, ouais, ça va. Valérie, tu fumes les lampadaires quand on avance là. Yeah. Tu pètes les ampoules, viens, on avance sur le bâtiment à deux étages. Babs. Je suis devenu le chasseur d'ampoules. On monte. Vas-y, je te cours. Putain, okay. Il m'a foutu les boules.
Monte, essaie d'avoir un visu sur le sur West Resta au rez-de-chaussée, Val. Ok. Essaie de voir si t'arrives à choper le bâtiment avec le drapeau. Le bâtiment. Je vois rien avec cette saloperie de d'éclairage. Non, par contre, il y a un char qui me pointe directement à la tronche, mais j'imagine qu'il est hors service. Ouais, il est hors service. Et juste le, on a le, l'arbre devant, quoi. Bah, va sur le bâtiment qui est de l'autre côté de la route. Ok, bien pris. Je te suis. Belle, deviens en bouche sur le bâtiment de l'autre côté de la route. Ok. Reste là. Comme tu veux. Tu te mets sur le coin, sur un coin, et puis t'essaies de la voir. Bah, d'ici on l'a, mais. Mais toi sur le muret juste devant, il y a un muret juste devant, mets-toi dessus. Le muret juste devant. Juste à l'ouest. Ok. Ah ouais. On prend position sur le muret tous les trois. Il y a un chasseur d'ampoule. Ok, on est en position avec un visu. On est sur le muret juste en 110-62 pavé 7. On a un bon visu RS. Pas rien moi, c'est bon. Arriverait à la choper l'ampoule qui est sur le bâtiment. Bâtiment. Ouais, qui est juste en face. Ouais, moi je vois. Quand je mets les NVG, je vois rien du tout. C'est les... Tu veux que j'avance? Non, non, reste non. Ici. Laisse ce sac ici. Reste ici. Quel déconneur ce Veldrid. Je vous laisse mon sac et j'y vais. Ça va? Ah, l'empanneur là qui est à cause du drapeau. Non, 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 mais c'est pas de l'avoir. Hein. Ouais. Mais c'est pas de l'avoir, tu vas rien arriver. C'est trop long. L'empanneur qui est à gauche du drapeau là. Ouais, ouais, bah même, il y a tellement de lampadaires dans le coin en fait que quand on allume les NVG, on voit que dalle. Hein. Putain, pendant un bref instant, je croyais que c'était le drapeau polonais. J'étais là, oh, impossible, les enfants. mais non, ça va bien se passer. C'est vrai, dès que tu mets les pour d'un lac, putain. Chef, tu veux pas que j'aille péter les lampadaires, chef. Négatoire. Oh, ça a tiré là-haut. C'est eux, c'est les potes. Tiré. Sur nous, moi. Non, mais non. C'est les potes qui tirent derrière. Équipe Dark, bien pris, je vous ai en visuel, j'étais en train de discuter avec le leader. Pour info, il y aura un dernier passage du A10 pour détruire le tank au niveau de la pampa. Et après, on passe à l'assaut sur le bâtiment au drapeau. Ah ben. Tu vois, un coup, mauvaise langue, il est pas mort. Ah ouais, ben... Il est pas mort, ardeur. Il devait être... Il devait faire du ravitaillement. Il a attaché mon Earthrobe. Ouais. Il a dit light, pas nous. Non, il a dit tout le monde. Tout le monde. Ah, c'est tout le light monde. À tout le monde. Ah. Bon, elle a allumé la mienne. Ouais, ouais. Elle cligne sur ta tête. Twin. Comment ça marche là? Putain. Ton menu S, c'est ton menu HM sur toi. C'est bon. Ok, impeccable. Ouais, tu l'as, c'est bon. On va plus faire dès le début. Au moins, elles sont pas comme dans celle de Ace, où ça faisait un gros blob. Voilà. Celle-là, ça fait un petit point mignon. Dans Ace, ce qui était marrant, c'est que tu pouvais mettre aussi des flares, enfin des
Des bâtons lumineux sur ta tronche aussi, toutes les couleurs, c'était rigolo. Ouais. Mais tu peux le faire aussi là. Tu peux le faire aussi avec AGM. C'est pas trop parce cool. Que je ne croise plus de bâtons lumineux donc. Ouais, c'est has-been les bâtons lumineux. C'est bien pour faire la fête quand t'es en boîte, mais voilà, tu vas pas faire la guerre avec des bâtons phosphorescents quoi. On se voit un petit peu trop de loin. Ouais, mais t'as des bâtons hier aussi. Des bâtons infrarouges. Ah. Il me reste les deux tiers d'un chargeur et puis c'est tout, hein, par contre. Tu devrais avertir le chef. Puis j'ai... Plus tard. Personne qui a des munitions ? Non, apparemment. Personne qui transportait des munitions pour le mitrailleur. Ah, il y en avait un pourtant avant de partir, non ? Non, c'était dans l'ancienne mission, ça. Ah oui, putain. Ah non. Bah même, c'est le slot qu'on a dégagé de notre équipe, je crois, l'assistant mitrailleur. D'accord. Ouais. Putain, une sacrée latence, hein. On fait quoi, là ? On attend la 10. Putain, quoi. Il est en la 10. Pas l'avion plus rapidement. Petite île quand même. Une île, Valdrit, bien sûr, une île. À Utès, elle est petite. Hein, par ouais, mais ici, c'est pas une île. On n'est pas sur Utès. On a changé de mission entre temps. Oh, on putain, est en Pakistan. C'est vrai. Oh la vieillesse. Oh là là. Alzheimer me guette. J'ai mis en ma signature en plus. Alzheimer me guette. Une fois que le char est traité, en fait, j'irai bien chercher l'équipement qu'avait Mystérieux Froggy. Ça se trouve, il y a de l'équipement dedans hein, pour toi. Que tu dans le chef. Bâtiment ou dans le char. Ouais non mais ce sera de l'équipement russe et... Ah oui putain c'est vrai. Tu sais bien. Oh là là Veldraïd il fatigue ouais. Veldraïd. Oula tu sais bien je vais dormir moi. Il trouve que c'est sale, ils aient peur qu'on ait le sida ou de l'herpès, je sais pas. Si on touche une PKP tout de suite on est sali. Dark, vous allez progresser à l'ouest. Sur le flanc droit de la route, au niveau des petites pâtés de maison. Ok, reçu maintenant. Y'a-t-il pas temps. Je crois qu'il y a Thierry qui essaie de traiter un truc. Ah, et bon. Le seul IA qui reste encore en vie. Ouais, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure on attend pour une IA, quoi. Chien. Et là, il ouais. Dark. Vous allez progresser à l'ouest sur le flanc droit de la route pour atteindre les bâtiments qui sont devant vous et vous positionner pour faire l'assaut sur le bâtiment blanc, d'accord? C'est reçu, à ton top. De Light, on va progresser vers Dark. Dark, une fois qu'on arrive sur vous, vous commencez à progresser vers les bâtiments et vous attendez l'ordre de prendre l'assaut. Pour Light, on sera sur votre nord. À votre sud, pardon, au niveau des bâtiments pour vous couvrir. Y'a pas dit top, chef. Non, y'a pas dit top. Et Light, on progresse vers Dark, ils sont au sud-ouest. Dark, est-ce que tu as bien reçu ma carte ? On y va maintenant ou pas ? C'est bien reçu, ouais, on vous attend. Ah non, on doit attendre qu'ils arrivent, qu'ils se posent à notre position, et puis après, nous, on bouge. Par contre, je vais devoir faire l'assaut au pistolet, ça continue. Parfait, je continue avec Thierry ou je viens avec toi ? Si tu veux, je passe devant. Gatif Light, on va sur la position qui sera au sud de... Un petit chou de grosse merde. C'est la même position que Thierry. Est-ce que je reste en binôme avec Thierry? C'est ma question. Affirmatif, on reste tous avec Thierry. Tout le monde avec Thierry! Je vois pas pourquoi ils veulent tous rester avec Thierry. Ok Dark, j'ai pas pensé à ça, mais allez-y, progressez directement. Allez, vas-y, ouvre la marche, Babs. Okay. Allez, on y va, Feld. Ouais. Ok, on est parti. J'ai les genoux qui commençaient à s'encrouter. Hop, avance.
Ok, ralenti à partir de là, Babs. Parce qu'on rappelle qu'en face c'était quand même une position fortifiée, donc on sait pas ce qu'on va trouver. Oh. S'il en reste un et qu'il nous fume à travers une fenêtre, tu sais, c'est ouais, matériel. On passe en whisper ou... Non, on va lui faire peur. On arrive. Fuis, cache-toi. Imprégné, Hugo, attaque. À la rigueur, monte l'escalier, Babs. Prends le petit visu de là-haut. Avec moi, Veld. J'étais obligé là-haut. De retirer ma NVG, je vois que dalle. T'es avec moi, Veld ? Ouais, je dirais ça. Chef, je peux péter les ampoules, chef. Ouais, si tu veux, mais tu t'exposes pas. Okay. Tu vois quelque chose de là-haut, Babs ? Et il s'expose. Tu lui dis de pas s'exposer, il s'expose. Veld, c'est supposé ennemi, là, sur l'ouest. Dans l'ouest ? Laisse tomber les ampoules, Veld. Babs, tu vois quelque chose sur le bâtiment à l'ouest ? Le bâtiment a l'air clair. Je vois rien qui bouge. Ok, on avance sur la sur le mur, Veld. Avec moi. Ouais, je te suis. Tu peux enlever la NVG pour l'assaut. Ouais, c'est bon. Babs, tu peux nous couvrir. Je viens sur vous ? Non, okay. Couvre-nous de là-haut. Ok. De Dark, on est prêt à traverser pour... C'est moi, c'est moi. Y'a rien à gauche, hein. Dans la boutique, là, y'a rien. Je pense que le char a pas encore été traité. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'est un char là. Si le char arrive, tout le monde. Ouais. Mais j'ai entendu l'avion passer quoi, c'est ça le truc. Ouais, j'ai pas entendu moi. Pas de l'ampoule. Laisse les ampoules tranquilles maintenant, Val. Faire bien éclairer le magasin en face. Ouais, c'est pour ça que t'as pas besoin de TNVG pour l'assaut. De Dark, je répète, on est prêt à mener l'assaut. Dark, patienté. Je crois que l'avion revient. L'avion arrive, ouais. Il va traiter ce putain de char. Pas nous. Ouais, ferme ton laser au cas où. Je sais pas si tu l'as laissé allumer là. Fermez vos lasers. Non, j'ai enlevé. Si jamais. Que ça fasse pas interférence ouais. Et qu'on se mange du minigun. C'est dommage. Ah ouais, plutôt ouais. C'est parfait, il a joué sur les éclairages, c'est trop mignon. Voilà. Oh, c'est quoi ça? La bure. Il est passé au-dessus de nous là. Je crois qu'il a balancé deux Hellfire, mais je sais pas si ça a fait grand chose. En tout cas, il est silencieux s'il est encore actif là le char. Parce que j'entends que dalle. Ouais, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'audio. Tu dis ? Il devient fou. Valérie dit devient fou. Oh putain, il y a du tir anti-aérien là. Ah ouais ? Ouais, j'ai vu de la grosse traçante verte en 2,90. La grosse traçante bien dégueulasse. Ouais, de la grosse traçante verte qui tirait bien dans la direction de notre A10. Dans le Chica, il doit être fumé là normalement. Ouais, mais j'imagine ouais. Qu'il y en a d'autres dans la zone. Hein. Putain, il arrive plein sur nous là, l'avion. Oh putain. Mettez-vous à couvert parce que je crois qu'il a largué une GBU. Là. Moi je m'allonge, je sais pas vous, mais. Mais non. Il a rien largué du tout. Je l'ai vu de face là, la 10. Je crois qu'il avait ses trains
d'atterrissage ouvert. Je sais pas pourquoi. Atterrissage d'urgence. Vite, une autoroute. Ou les pièces atterrissent sur le toit de la boutique. Ampoule, ampoule, ampoule. Light pour Dark. Ouais. Ok, vous avez feu vert pour engager. Nous sommes à votre sud, nous vous couvrons. Tiens, aussi, on y va. Je reste ici, je vous couvre. Ouais. Avec moi, Veld. Ok, focus, hein, Veld. On se concentre. Plus derrière, c'est bon. On se concentre. Garde l'escalier. Ouais. Tu gardes l'escalier. Ok. Ok, je viens avec toi, on va monter. Attends, je passe devant. Attention, les escaliers sont buggés, hein, fais gaffe. Tu fais pas façon la vieille. je connais pas les façons de la vieille. Je prends à gauche, tu prends à droite. Ok, ça marche. Parti. C'est bon. Clear. Ok, on fait le dernier étage. J'ouvre à droite. À gauche. Ok, de Dark RS. Clear. Clear à gauche. Light pour Dark, bien pris. Essayez de trouver des documents. Ok. Ouh. Il y a un bel engin là. Ok, document trouvé. Ah. Quel? Il y a plusieurs, il y en a qu'un seul. Ouais, c'est bon, c'est validé. Viens, on sort. Ah putain de merde. Fais des V, des W, couche-toi, fais tout ce que tu peux. Light pour Dark, bien pris. C'est... Ok. Allez, viens. Restez dans ce bâtiment et fortifiez-vous. Ok, bah viens. Ok, Babs. Ouais. Babs, viens. Ok. Viens, on est bien. Allez, venez, on monte. On monte sur le toit. Babs, sur le toit, tu prendras un visu nord-ouest. Regarde, tu colles pas au mur, ça va bien. Monte les escaliers. Ah là là, à droite, là. Regarde, tu colles pas au mur, hein. Encore. Non, allez, encore. Sur le toit, les gars, sur le toit. Babs, prends un visu nord-ouest. Nord-ouest, ok. Alors t'as un bel engin sur le toit là, tu t'en servir. Ouais, il bouge le char. Ouais, fais gaffe, le char est en mouvement. Le char, oh putain, il est sur nous, il est sur nous. Planqué, okay, couché. Ok, Art, Dark, ne bougez pas, il y a le char qui bouge. Il va, il se décale bouge toi à droite, Belle. Hein? Décale-toi à droite. C'est bien reçu, on est planqué. Voilà, histoire que je puisse me planquer aussi. Désolé. Non, non, c'est bon, c'est pas grave. Ah, le bâtiment est clair, c'est bon. Ouais. T'avais dégagé cette partie du bâtiment ou pas? Non, fais gaffe à toi. J'entends, il arrive. Ouais, on reste planqué, on reste planqué. Passe en whisper. Ouais, il nous entendra pas dans le char. C'est jamais plaisir. C'est jamais avec les IA. Ah, il est reparti, je crois. J'entends plus. J'ai entendu arriver, il est passé, il est reparti, là, j'entends plus. Ouais. Ok. Light reçu, on l'a en visuel. Il balance pas l'avion dessus. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, la vie. Surtout à la vie de soldat. Vous avez encore un visu sur le char? Non.
On est resté couché pour l'instant. On fait les pleutres. Ouais, moi j'avançais vers la douche cap. Hey, deux pour Dark. Ouais. Tu vas devoir essayer le char à bouger. S'il est parti vers l'ouest, il s'est rapproché du camp. Tu vas essayer de fouiller les cadavres pour voir si tu ne trouves pas des lanceurs. Le leader nous informe qu'il faudrait détruire ce char. Bab, fouille ta maison. De checker tous les cadavres et tout, et tu me refais un poste pour. Tu descends, tu vois la petite maison qui est juste à côté là sur le nord. Celle qui est collée à notre maison là, celle qui est collée à notre bâtiment. Laquelle? Veld, celle qui est au nord là, tu la fouilles là, celle qui est collée à notre bâtiment. Ok, d'accord. Ouais, y a un mec à terre ici, je sais pas si c'est un mort. Ouais, c'est un mort. Allez, escalier de merde. Je vais checker les mecs qui sont morts le long du bâtiment ici. Il avait trouvé quelque chose? Derrière, pas de lanceur. Qui est de Dark, on n'a rien à proximité du bâtiment. Light pour Dark, bien pris, essayez de checker aussi dans la ville, essayez de faire quelque chose. Essayez de trouver un lanceur. Tout ce que je veux, c'est de trouver un lanceur. C'est reçu, on se regroupe derrière le bâtiment, les gars. Vers la mosquée. Ici, c'est ici, tout. Ici, ici. Ouais, ouais, ouais. On attend Veld. Là, le mec qui est mort, il a quoi? Y'a rien, j'ai fouillé. Tu fouilles. Les mecs plus loin aussi. Ah, c'était que des poules, viens. Le mec qui avait ça. À l'arrière, viens. Fais attention on à toi. On est bien, on est bien. On va avancer vers le nord là. Yeah. Que des poules, les mecs. On avance vers le nord, je vais ouvrir la marche puisque toi t'es ton petit pistolet de merde là. Bah, je ressors ouais, à 2.49. Ah ok, bah reste quand même derrière moi. Ouais. Ça je prends l'avant et vous prenez les flancs. Dans la mosquée, il y en avait non? Dans la cour de la mosquée du ouais, minaret, là. Derrière le minaret, on en avait. Ouais je sais, mais tiens, tu vas aller choper des chargeurs pour ta M249 là. Je pense qu'ils en avaient pas. Bah, t'es sûr? Ouais, il y a du vent, c'est cool. Pardon. Bon bah on va aller derrière la mosquée alors, c'est parti. Attends, les cadavres des deux potes, c'était pas des mecs anti-char hein? Un des mecs qu'ils ont perdu. Je sais pas, on va aller voir. Veldrid, tu gardes l'arrière hein, toujours. Oublie pas. Ouais. On va mettre Light pour Dark. Là. Ouais. Il y en a un là. Mais je crois qu'il doit être usé. Il est usé, merde. Allez, on repart derrière la mosquée. Moi je répète, vous allez vous diriger vers le petit pâté de maison qui se trouve au sud du camp, en 105-63, le long de la route. Ok, c'est reçu, on y va maintenant? Négatif, je vais... Attends, passe, stand-by. De tirer, j'ai trouvé un RPG-26. Ah, c'est bien. Ah. Copain, les mecs à gauche. Ok, ok, ça marche. Là, t'es là. Ok, ouais, c'est là où j'allais checker pour voir s'il y en avait. Ouais, ouais, il y en a un autre, je sais qu'il y a un autre RPG 26. Veld avec moi, on couvre. En 330, mais c'est trop exposé ça. Ouais. C'était le seul lanceur de tous les tas de cadavres qu'il y a ici. Ah, il y a peut-être plusieurs roquettes. Non, c'est un. Non, c'est un M136. Ah, ok. Oh putain, merde. C'est déjà mieux que rien. Avec un, si tu lui tires dans le cul, normalement tu le dégommes, non? Pas sûr. Peut-être. Du 26 mais... quand même. Mais on se décale sur les bâtiments au nord-ouest. Ok. C'est plus fragile à l'arrière, les chars. Ouais,
C'est vrai, mais il s'est quand même costaud un T90. Putain, faites gaffe qu'il est juste un autre. Putain. Plus on va dans la lumière là. Bah, il est dans la pampa là. Ouais, je pense. Ok, non, bah ouais, d'accord, ok. Putain. Oh, on se planque les mecs. On se casse. Lui, y'a rien. Non, y'a rien. Thierry, tu as bien le lanceur. Affirme. Ok, on va rester là. Le mec ici il a une flare, c'est un officier. Aku il est où? Je suis là. Il est dans le bâtiment je crois. Non je suis à l'avant. T'es à l'avant dans le camp. Ah ok, ici. Excuse-moi, j'ai pas entendu, tu as bien le lanceur sur toi? L'infirme. Combien de roquettes? Une. Tire unique. Pas le choix, faut viser l'arrière où les chenilles là, pour plus qu'ils bougent. Et il nous présente quoi là? Il est où le char devant nous là? Il est dans la pampa. Il est au nord-ouest. Nord-ouest à environ 300 mètres, même 200 peut-être. Pas du fou. Ouais, même moins que ça, 100 mètres. Light pour tout le monde, repli au sud. Ben, je crois que c'est Vince. Ok. Ok, allez. Bon, on se remplit par ici. Vas-y. Oh, oui, ouais, nord-sud-est. Je sais pas où il est, Thierry. Et on... Il est près du minerai, dernière okay. Nouvelle. Passe. Ouais. On aurait pu éviter les lumières. Passe par le sud. Pas par la route, on va repasser par où on est rentré, là-bas. Ok. Mais c'est tombé en poule, chef. Non, Valdried. Je veux mon ampoule. T'en as déjà eu. Très bien, on va jouer sécure, on va passer par les bâtiments qu'on a déjà checkés. Ah là, celle-là, chef, celle-là. Ils sont où les copains là? Il y a du sud, hein. Oh, bah. De l'autre côté de la route, je crois. Thierry, c'est quel type d'ogive que t'as? Ouais. 136. Vous les voyez? Pas du tout, mais on peut. Et on traverse. Progresser. Ouais, on traverse. Ah, y'a plus d'équipement. Ouais, non. Non, il est cramé. Ah, ouais. Light pour Hard, vous avez progressé le long de la route en direction de l'ouest jusqu'au camp. Profitez de chaque bâtiment pour être à l'abri. Et arrivé au camp, vous attendrez, on se mettra en position. Je sais pas ce que c'était pour nous ça. Il a dit Hard. Il a dit Hard, je sais pas qui c'est. Dark reçu, on va avancer. Il a dit Hard ou Dark? Il a dit Hard, mais il a dû confondre. Attends, jette un petit coup d'œil à la map. Putain, on voit que dalle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a que ce char qui nous emmerde, quoi. Nickel, tu vas avoir des murets devant, tu les suis. Ensuite, de la forêt, tu la suis. Ensuite, on va retomber sur un groupe de bâtiments. Bah, les murets, ouais. Ils sont à la hauteur de mes chevilles. Ouais, mais on les suit quand même. Ok. On est parti. Ok. Ouais, puis ça c'est de la grosse forêt, hein. Je passe devant toi, Vel. Ouais. Il est devant Bad. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, viens, on accélère. On progresse un peu comme des cochons, mais bon. Allez, vas-y, avance. On comme, est un trois, cochon. Comme un cochon. Comme un cochon. Les trois petits cochons. Onk, motherfucker. Bien crado, mais bon, là franchement, je pense qu'il n'y a plus trop de traite à part le. Juste la flamme. Ah oui, il reste que le char. Hein. Putain, je vais me quitter à la cause des.
Non, pas d'air. Franchement, à mon avis, il reste. Attends, je vais te dire où est-ce que tu vas avancer. T'as un bâtiment. T'as encore un bâtiment devant toi normalement. Ouais, ouais, mais attends, je vais juste switcher d'optique deux secondes parce que j'ai un doute sur un truc plus loin. Ouais, le bâtiment qui est en face de nous, tu contournes par la gauche et puis on va sur le pâté de maison qui est vers l'ouest là en 280-290. Donc on contourne la maison devant nous par la gauche et puis on continue. Ouais. Et on continue sur les. On va devoir traverser la route. Ouais, ouais. Sur l'autre lumière ouais, qui est devant, ouais. Et vas-y, je progresse. C'est parti. Parti. On suit. Allez. C'est bon. Je là. Allez, go. Vas-y, lève-toi. Histoire de faire ça comme un bonhomme. Lève-toi et marche. Vas-y, investis par la porte là. Croupi, je suis derrière toi. Et ton gros sac à dos. Tiens, monte à l'étage. J'ai un audio de je sais pas quoi. Ah putain, on peut pas ressortir par ici. Viens, Veld, on va rentrer par l'autre porte là-bas. Fais gaffe à la lumière là-bas. Ouais, c'est bon. T'as peur de la lumière? J'ai un audio de je sais pas quoi. Allez, viens. Un audio de véhicule ou de mouette? Je sais pas, non, c'est pas des mouettes. Ça okay. Ressemble à un véhicule. Je suis là. Ok. Attention, je suis. Attends, que je. Attention, Hard, vous avez le char qui est à votre nord. C'est bien ce que j'entendais. Il est à Babs. Droite par rapport à moi. Ouais. Je suis là. Merde, vaut mieux pas faire un bond. On va. On repart sur la route. Venez. C'est vendredi. Ouais, il vaut mieux faire un bond de l'autre côté. C'est vendredi. Vaut mieux faire un bond par ici. Ouais, vas-y. C'est bien ça que j'entendais. Saute. Je fais le bond. Valérie, tu sautes ? Affirmatif, nous progressons sur la route, je suis tombé au camp à partir du sud. Traverse. Dernier homme. Ok, nickel. Vas-y, à coup, saute. J'investis. Je prends le coin. Char est au nord, hein, par rapport à nous. Par rapport. Ouais. Toté, je vous allez, char au nord. On se bouge sur la gauche, c'est nickel, ça passe. Mets-toi dans l'entrebâillement de la porte, là, sur l'ouest, Babs. Babs ? C'est à l'extérieur. Babs, viens, rentre. Babs, ça rentre, s'il te plaît. Je passe. Je vais chercher. Décrocher, BZH. Que vous voulez ? C'est dans l'enceinte. Babs ? Il est où ce con ? Un coup ? Ouais. Il est là. Baz, mets-toi dans la porte là, ouest là. Juste ici. La grosse ? Celle-là ? Ici, non, ici, 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 derrière là. Là, 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 la porte ah, à l'ouest. Ok, ok, ok. Une okay, petite okay. Porte toute niquée, tu la prends. Ok. Veld ? Ah, je l'entends là, il est prêt. Hein. Veld, tu te mets là sur le coin, tu gardes le nord. Ok. Thierry, tu m'entends ? Ouais, j'ai une échelle devant là, c'est pas terrible. Hein. Ouais, mais garde-le quand même, si ça s'approche, tu recules. Ok. J'ai pas de visu de là. Light pour Dark, je passe sur ton flanc gauche de l'autre côté de la route. Je prends les bâtiments qui sont sur le côté de le flanc gauche de la route au niveau du campement. C'est free. Tu devrais les voir normalement, Babs, à un moment. Ils sont de l'autre côté de la route. Je les ai vus traverser. On a des nouvelles de la 10 ? Hein ? Light pour Dark, n'hésitez pas à rejoindre non. De l'autre côté de la rue, inversé. Répète. Je répète, n'hésite pas à traverser pour rejoindre le camp de l'autre côté de la rue. Si t'as pas de couvert, passe par les bâtiments. Vel, viens. On va bouger. 4463, Panum, pavé num 1, station service. Juste devant là, tu vois les. C'est bien pris, on va faire un bond sur le mur du camp.
on va faire un bon sur le mur de camp. Oh putain, on va être au cul. Ah oui, c'est un putain de... Ah ouais, mais il y a un mur là. On va aller sur le mur. No man's land. Ok, bon bah... Allez, couvrez-moi le cul. Ah oui, attends, il y a le putain de blindé, c'est ça? Il longe le mur vers le nord là, on va voir où est-ce qu'il est. Ouais. Tu vois? Le blindé est devant nous là. Stop. Il est quelque part devant nous, j'ai l'impression d'avoir l'audio, mais je le vois pas. Il est devant nous. Dans une minute 20-25 à peu près. Ok, bon, on va pas bouger. De Dark, je pense pas qu'on va faire le bon parce qu'on va être en visu du blindé et on aura pas de couvert crédible de l'autre côté. Pourquoi il fait pas passer de tirer devant avec le. Avec Dark, tu peux répéter. Si on fait le bon vers le camp, on va être en visu du blindé, on aura pas de couvert crédible une fois sur le camp. Oui, affirmatif, passe par la station service. Ok, reviens en arrière, les gars. Si tu peux. Allez, reviens en arrière, Vela. On passe sur le camp. Vas-y, Babi, ouvre. Ouais, t'inquiète. On y va. C'est clear, normalement, ils sont passés par ici. Vas-y. Et juste un bond ici. Un bond d'Yveld. C'est ça la station service? Ah, c'est ici, la station service, dans le compound juste après. On va passer. Ok. J'ai l'impression qu'on a le commandant juste derrière parce qu'il y a un laser qui part dans la montagne là. Ok, on va faire un bond. On prend position directement sur le mur du bâtiment, là, du gros bâtiment, d'accord? Ok. Bab, tu te mettras sur le côté gauche. Vel, tu te mettras sur le côté droit. Enfin, Vel, tu garderas l'arrière, d'accord? Nord-ouest, il y a des collègues là. Ouais, ouais. Allez, on bondit, Babs. T'es prêt? Ok, je suis parti. Ouais. Ok, Dark, on bondit. Putain de grillage. Ok, Vel, tu te cales juste derrière moi, mais tu t'exposes pas sur le coin. Et Light, je veux une couverture sur Dark qui. Vous pouvez éclater l'ampoule, s'il vous plaît? Ouais. Ah, ça va. Merci. Ah putain, j'ai plus de chargeur. Sérieux? Ouais. C'était juste des lampes, hein. Oh putain. Prends dans mon sac, Veld. Je vais pas en avoir beaucoup. Prends dans mon sac, Veld. J'en prends juste ça, hein. Ah, prends-en, j'en ai plein, prends-en plein. Il va y avoir du CQB là. Un véhicule léger qui est encore intact à l'entrée du camp, il y a peut-être de l'équipement dedans. Attends, un coup. Ah, excuse. Un coup. Ouais, ok, c'est reçu, base. Juste là, alors. Ouais, ok. J'ai pris 4. Ok. Comme je reste en arrière, moi je vais pas beaucoup tirer. Light, y a des collègues à l'ouest. Pour le camp. Y a des collègues à l'ouest, derrière vous. Ouais, ils viennent, non. Ils viennent par ici. Allez, go. Go. Vous avez pas réussi à le péter le lampadaire? Si. Il y a le là-bas qui est trop loin, ouais. Mais. Viens par ici, s'il faut. Vous avez un véhicule léger juste devant le bâtiment qui est là, où il y a peut-être de l'équipement dedans. L'équipement anti-char. Ah, presque, nickel. Attention, leader, le commandement a repéré un personnel ennemi à 36, 200 mètres. Si c'est 200 mètres. Ouais, 200 mètres, c'est bon. Il est dans la montagne. Ouais, je préférais qu'il ait un lieu plutôt qu'une distance en fait. À 135. Vous devriez le voir, les gars. L'autre ouais, côté. Ouais. Tu vas fouiller dans le véhicule, tu vas trouver ce que tu trouves, on te couvre. Il y a sûrement un RPG dans le tigre là. Ok, à tous couvrez, why not, qui fouille dans le véhicule. Être RPG dedans.
Combien? 4. 4 RPG, ok, tu prends. Putain, nickel. On va en prendre qu'un. On est en train de looter là. Il y a des munitions aussi des RPG. Parfait, si t'as des roquettes, tu peux prendre un lanceur aussi, vas-y. Dans les hangars plus loin, il devrait avoir encore des Ourals de logistique, ou il devrait avoir des lanceurs encore. Ouais, y'a de quoi faire quoi. Je pense, ouais. Les mythes, ils posent leur charge vite fait, et puis on se casse. Dis-moi toi, Aku, qui est spécialiste dans la question. Oula. Si on prend une PKP, c'est caca, on est d'accord. Ouais. Par contre, si on prend un RPG, c'est bien. Bon, les gars, là. Disons que c'est l'arme de la dernière chance. De et c'est commandant. Nous avons récupéré plusieurs RPG. Ok, bien pris, Light, chargez-vous comme il faut, plusieurs lanceurs, plusieurs personnels, et allez traiter ce dernier tank qui reste. Les gars, avec moi, là. Ouais. Ouais. Bon, venez à droite, on va traiter le char. Le char est... Babs. Et venez avec moi. Ici, à droite, là. Ouais. Et droite, au fond, vous avez un ennemi, normalement, là, Bobo. Droite, au fond, on a un ennemi. Ouais. Ah ouais, je le vois, ouais. Thierry, tu sais t'en charger? Ouais. Vas-y, Thierry. Ok, on est de l'autre côté. Silencieux les gars. On va s'occuper du char, ok. Hard, Dark, pardon, Dark, avez-vous un lanceur équipé ou pas? Non, je reviens avec Dark. Bien joué les gars. Négatif. Ok, récupérez-en un sur le véhicule, je crois qu'il en reste un. Ok, bah je vais aller chercher, je pense. Vas-y, Babs. Dark. Ouais. Je te couvre. Ouais, je te couvre. Là j'en ai déjà 3 en tout. 3, bon, il va falloir me péter ce tank absolument. Hein. Je pense que c'est le dernier truc à péter. On y va. Ouais. Et après on investit le reste du camp et on clear tout ça et ça leur aide bien pour rentrer à maison. Et de Light pour Dark, on va aller s'occuper du char. Une fois que le char est détruit, tu commences à fouiller le camp avec ton équipe. C'est reçu. D'accord, Dark a été reformé. Il a utilisé son RPG, Thierry ? Alors là. Et c'est censé être un truc à usage unique le RPG 26. Ouais. Oui. Parce qu'il y avait des roquettes dans le véhicule aussi, avec une petite blague genre vous pouvez acheter ce DLC machin ou je sais pas quoi. Appuyez sur L Shift et P pour acheter ce DLC qui est marqué sur les roquettes. Bon vas-y Babs, viens reprends ton coin là. Ok. Au niveau du lanceur Dark, Dark, ton effectif qui est doté d'un lanceur, est-ce qu'il peut venir me rejoindre? Ah bon bah t'y vas Babs. La Wildred, pourquoi il y va? Ah non c'est pas Wildred, ah putain j'ai eu peur. On va rester à deux Veld. Ah je suis là, je suis peut-être toi. Je me fais spoiler tous mes hommes un à un. Allez, on est parti. En fait, c'est Darnak. C'est Darnak, il est pas content d'avoir perdu deux hommes, alors il pique les miens. tout ce temps pour un char, je comprends pas trop là. Ouais. Alors qu'il suffirait juste de poser les charges sur la caisse et de se barrer quoi. Ouais en plus il bouge pas quoi, je veux dire il bougerait dans tous les sens encore je dis pas mais là il bouge pas du tout. Je l'entends là, il est nord-est. Et quelle heure, Vel, tu sais, toi, en vrai? Il est minuit 20, 22. Ça traîne, là. Et pour équipe Light, on reprend la route et on retourne au village. Oh, putain. Allez, la caisse. La caisse, elle doit être vers le nord-ouest, là-bas.
Ah, on retourne au village, c'est-à-dire il revient ici, c'est ça? Non, non, nous on reste ici. Hein. Eux, ils retournent au village là-bas, sur l'est. Sur le sud-ouest, sud-est. Ils retournent d'où on vient, en fait. On va pas tout comprendre, là. tous les autres repartent d'où on vient sur le village pour flanquer le char, apparemment, ou un truc dans le genre, je pense. Et là, ils sont allés où, là? Ils sont allés sur le là d'où on vient, sur le village, sur la ville. Ils sont allés au sud-est. Enfin, à l'est. Ça va ou quoi? Je vois un gars revenir sur nous, là. Ah, ça doit être le grand chef. Le grand chef. Les gars, qu'est-ce que vous faites? On se branle. Affaibli. Vous êtes que tous les deux? Ouais. Ok, donc c'est le reste de l'équipe d'Arc ou c'est ouais, quoi? Ouais, c'est ça. Il y a Babs qui est parti avec le RPG, avec l'autre groupe. Ok, quel est l'état des pertes? Parce que j'ai pas trop suivi Mystery Froggy. Hommes, hein. Mystery ouais. Froggy, ok, sur le passage d'Adis. Très bien. Du coup, ouais, sur la dissolution de Dark, c'était plus ou moins pour moi stratégique pour attaquer le camp. Mais s'il préfère fonctionner comme cela, ça doit être mieux. Ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes en liaison permanente avec Darnac? Ouais. Est-ce que le camp ici, est-ce que la position nord-ouest a été complètement claire? Non, il voulait qu'on attende que le char soit fumé avant de commencer à nettoyer. Ok, c'est pas de problème. Bon, pour l'instant, il n'a pas de visu. Une fois qu'on aura entendu ce tank péter, il est nord-est, pas loin le tank. Ah, il est à 300 mètres d'ici. Donc, si vraiment il arrive sur nous, on est mal. Donc. Ça, je préfère rester soit sur les hauteurs pour avoir des visuels avec mon pointeur laser ou vraiment faire un grand tour. Est-ce qu'il reste du matériel russe fonctionnel ici? Aucune idée. Là, je vois un véhicule. C'est bon, ils entament le char là. Bah là, il y a le véhicule léger qui a été fouillé, ils ont pris les RPG dedans. Light, ajustez vos tirs, vous êtes trop bas. Pas trop, il est carrément passé de l'autre côté, il a explosé au nord-est là-bas. Ok, Light, le tank se dirige vers votre position, back. Vous avez fait aucun dégât là. Oh putain. Non mais là ils sont mal barrés. Oh putain. Il n'y a plus d'avion? Bon les gars, moi je prends le véhicule et je trace dans les montagnes. Il n'y a plus d'avion? Non. Ah putain, on peut pas le prendre. Light pour Dark, profitez-en pour fouiller le camp, le char. Ok, on peut pas prendre le véhicule, je repars dans les montagnes les gars. Ok, ça marche. On revoit plus tard. Ok, c'est reçu, on va faire au mieux. Ok. Viens Veld. Ouais, je te suis. Tant qu'il part vers l'est. T'as des charges sur toi? Bah non, t'as pas de charge. Il y a des charges dans ce bordel. Il est verrouillé, je crois. Ouais, non, mais on peut regarder le matériel. Non, il y a pas de charge. Je sais plus qui c'est qui avait repéré des caisses tank d'armement ou je sais pas quoi. T'es avec moi? Ouais, je suis derrière toi là. Pas de soucis, je te quitte pas. Il y a un UAZ là-bas, c'est tout. Il y a des camions, on va les fouiller. Mais on reste accroupi. Parce qu'il y a peut-être peut-être des mecs dans les baraques. Je comprends. Oh avant. Putain. Non, je vais te tracer. C'est bon, ça passe. J'ai pas envie de fouiller quoi. Je suis encore actif hein. J'avais vraiment pas envie de fouiller. Actif même après avoir fait un saut go out. Ah, y a rien pour faire péter. Si. Le char est coincé sur une barricade d'une maison, je pense. Il y a des chargeurs de 762. Char coincé, mes tourelles actives. Viens, Vel. Ouais, je suis là, je suis là. Tu peux fumer l'ampoule si tu veux. Ah, ampoule. Fais quand même attention à toi. Ok, c'est clair. Bien joué. Allez, viens. Viens, 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 viens. Phare sur le toit, je répète, phare sur le toit. L'équipage est sorti, l'équipage est sorti. L'équipage est sorti, l'équipage est sorti, l'équipage est sorti, l'équipage est sorti, l'équipage.
Qu'est-ce que je vais fouiller un camion citerne? Il n'y a rien dedans. Ah ouais. Regarde, ça engage devant nous. Hein. Ouais, c'est sur le char, c'est bon. Ok, ils sont vide, de chez vide. Là, l'UAZ. Ah. Ok, écoute, là, on retourne sur la position du camp. Des petites caisses de munitions ici. Veld. Veld. Viens, on continue. Ah. Continue à bouger. Deux Dark pour Light. J'ai deux véhicules, fais gaffe. Ok, viens, on se planque là. Je charge, je crois. Il est plein est. Car ou camion, je sais pas trop. Et les copains qui sont à portée de voix là. Ah, j'ai un autre véhicule pile devant toi là. Et on avance. Devant là à droite. Et on avance. Ah, j'aime pas ça. Like, j'écoute Dark. Fouiller toute la partie ouest du camp. Il y a une petite caisse de munitions et des véhicules légers non armés. Salut Bobs. J'entends encore un moteur tourner moi. Ouais, c'est le grade qui est au bout du camp. Et peut-être des mecs dans les casernes, en fait, gaffe. Ah ouais. T'as un coup, franchement, t'as raté le plus beau truc de la mission quoi. Ah merde. Non mais. Tu veux Babs, que je t'explique? Babs, ouais. Regarde par les fenêtres et essaie de voir s'il y a des mecs, tu les fumes, fais attention à toi. Ah bref, clear le bâtiment quoi. Ouais. Dans l'autre, y'avait rien. Hein. Je pense que dans celui-ci y'a rien. Faire celui qui est plus au nord. Hein? Ouais, si tu veux. Le camion. Ouais, oui. Fais gaffe, qu'il y a peut-être encore un mec dedans. Ouais. Pareil, fouillage. Fouillement. Ouais. Y'a rien? Je crois que le dernier objectif qui reste, c'est les. De Light pour Dark, nous arrivons à. Par l'est sur le camp. Ok, vous avez rien vu? C'est bon. J'ai rien vu, non. Vous avez rien vu? Non, bon, y'a rien. Je crois que ce qui reste, c'est les véhicules de logistique qu'il y a dans les hangars. Ah fuck. Ball. Ouais. On a fouillé tout le camp, il y a juste une petite caisse de munitions sous le préau là-bas et des véhicules légers non armés, c'est tout. Bon, on va aller. Mais non. Ouf. Ça a poté. Détonation. Ah yes, avec le blast core ça rend super bien. C'est bien joué. Bon. Il y a encore des véhicules de logistique à exposer. Apparemment. Ah, par mal. L'objectif est pas validé. Non. Y a pas un grade à faire péter encore? Ah putain. Thierry, il est où le grade? Il est juste derrière ce bâtiment, il est au. Y'a personne qui a encore un petit lanceur? À la grenade! À la grenade, je sais pas si vous allez faire grand chose. Peut-être un lanceur dans la Jeep. Quel Jeep? Celle qu'on a fouillée tout à l'heure avec les 4 lanceurs. Non, vous avez tout fait péter, je pense qu'il y a le lance-missile qui est ici, qui a peut-être un lanceur. Mais... Ah oui, il a pas été détruit celui-là, merde. Non, y a pas de lanceur, y a que de. Un coup, t'es reparti? Je suis là. Football. Ah, ok. Je suis là. Parti, pas. Est-ce que tu veux que j'aille fouiller dans le véhicule là-bas s'il y a encore un lanceur restant et on fait péter le dernier véhicule? Ouais, dans ce cas-là, s'il reste un lanceur, tu l'approches près du lance-missile et tu fais tout péter en temps. Il y avait quelques camions sous les hangars, il n'y en avait pas qu'un. Ouais. Le problème, c'est que là. T'avais pas une boîte à munitions quelque part à coup? Si, derrière l'UAZ, sous le. Sous le préau, ouais. Ouais, bah tout a sauté alors. Moi j'ai rien du tout.
Il fait toujours le beau sous le préau. Eh ben. Bon, il nous manque un truc là. Non, je sais pas là. Après, il faut qu'on se casse. Un objectif de. D'ailleurs, moi je sais pas c'est quoi le truc radio là. Il n'y avait pas d'autres véhicules ailleurs. Non. J'ai la tête qui fait tout, 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 tout. Mon casque sert trop fort. Ou... Non, c'est parce que putain, elle est longue la mission là. Ouais, bah ouais, mais bon. T'as vu le temps qu'on a passé sur un rocher à attendre que la dispasse passe sur le. Sur le char quoi. Ah, voilà. Bah, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait maintenant. On va devoir se casser. On a fini. On a fini. Et à toute l'équipe, rendez-vous à l'ouest du camp. Je répète, rendez-vous à l'ouest du camp. C'est parti. On va devoir. C'est parti. Devant les belles flammes. Photo finish sur les flammes. En train de prendre feu. Vite, vite, ça va s'éteindre, vite. On a tout fini, du coup l'extract, je mange pas comment ça. Un hélico, non? Y'a pas d'hélico? Ah, j'ai plus personne, j'ai plus du pour arrière. Y'a plus rien ici, tout a explosé. Tu vois, le bâtiment il a soufflé quoi. Ah, Arma 3 et son moteur physique. Ils sont là-bas, non, les gentils. Et on dirait un squelette de baleine. Je crois qu'ils sont à l'entrée du camp, les gens qu'on doit rassembler. Oh ouais, mais bon. On nous a dit à l'ouest. Oui. Bon. on est les 4 seuls pecno à l'ouest, donc... Ouais, mais regarde, nous, on va passer là-dedans, regarde. Ah non, il y a Why Not avec nous. Il est parti où, Wildred? Il est avec eux, non? Je crois qu'ils sont là-bas, là, auprès de la Jeep. Bon, on va... Putain, T90 sur la 12, T4... Je déconne. Plein sud. Regroupement plein sud. Ah, bon, bah maintenant c'est regroupement plein sud. Ouais, sur l'entrée de la base. Non, non, mais moi, je sais pas trop... Sérieux, les mecs, vous êtes fait chier à passer à travers le petit trou alors qu'il y a un gros trou. Bah quoi, je savais pas qu'il y avait un gros trou, moi. Mais Oui, bah oui. J'ai même... Bon, je pense qu'aussi, même moi... Fais pas comme si tu savais, toi, hein. Un peu trop sur la radio, mais... Allez, c'est pas une smoke, on fait genre, voilà. Il y a un hélico qui arrive. Oh putain, ça me pète les yeux ce truc. Ouais, faut enlever les JVN sur les flammes. Oui, non, mais... Ouf. Alors, zéro, merde. Je sais pas comment ça marche. Pas au pavé numérique, hein. Touche les chiffres quoi, ça au-dessus des lettres. Ça marche pas. Faut que je le fasse. Merde. Ah mais y a GM. Non, le truc c'est qu'il peut le faire. Ouais bah status. Là. Ah voilà. Nickel. Pip pip. Ouais. Oh.